bienvenue Amina. Bonsoir Sarah. Good evening, Pierre. Sarah sera donc notre traductrice ce soir. Merci d'être avec nous, Sarah. Et n'oubliez pas pour les personnes qui vont venir sur scène de marquer des pauses dans vos prises de parole pour permettre à Sarah de traduire vos propos. So, just tell me that I'm your translator this evening. And should you be coming up on stage, could you kindly just talk a little slowly so that I can translate what you say? Place donc à la cérémonie d'ouverture de la 27e édition du Festival du film britannique de Dinard. Et c'est la première édition post-Brexit. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre. Mais j'aimerais dire à nos amis britanniques, et il y en a dans la salle, qu'on les aime, qu'on adore leur cinéma. Bref, nous à Dinard, on remain avec vous. Here we are at the 21st edition of the British Film Festival of Dinard, the first one post-Brexit. So what we want to say, even though it's a little strange, we want to tell all of our British friends that we love you, we love your films, and we will always be remaining with you. Et je vous demande donc de saluer celle qui accueille chaleureusement le monde du cinéma dans cette belle ville de Dinard, Madame le Maire, Martine Kravitz. Une soirée, une merveilleuse soirée, un très beau programme pour ce premier film d'ouverture. J'ai déjà eu des échos, tout ça, je vous tourne pas le dos, voilà. J'ai eu des échos, je sais que ce soir encore, vous m'avez gâté, ce sera un film qui va nous plaire, qui va nous convenir, qui va nous faire passer une excellente soirée. Donc je vous remercie par avance. Merci à vous, Madame le Maire, qu'est-ce que vous parlez bien, hein, c'est incroyable. Oh, vous croyez, pas comme vous. Vous parlez très très bien et ça me donne d'ailleurs l'occasion de dire que le réalisateur donc, de ce film d'ouverture s'appelle Whisky Galore et là, il s'appelle Gillis McKinnon. The director of the opening film tonight, Whisky Galore, is here. It's Gillis McKinnon. Et si j'insiste, parce que c'est tout simplement celui qui a gagné le premier Hitchcock d'or de l'histoire du festival il y a 26 ans pour un film. So we want to point him out because he won the first Golden Hitchcock 26 years ago. So that's quite an achievement. C'était il y a 26 ans. Merci. Merci à tout à l'heure. A largement voté pour le maintien. Scotland, which you all know, largely voted to remain. Hey. On les a choisis. On les a choisis parce que ce sont en plus, alors je ne sais pas si on peut le dire, deux Hitchcockisés. The Golden Hitchcock. Okay, they both have won Golden Hitchcocks. I can't say it in an English way, it might come out strange if you understand. Vous allez comprendre, celle qui était le rôle principal dans le film qui a gagné le grand prix l'an passé, qui s'appelle Couple in a Hole. One of the people that we are having a tribute to, was the main part in the film that won last year, the Grand Jury Prize, called Couple in a Hole. Yeah, it's called Kate Dickey. Kate, where are you, Kate? Elle va présenter donc les 5 films qu'elle a choisis. Elle va rencontrer le public demain. She will present 5 films that she personally has chosen. She'll be meeting the public tomorrow. Et elle est accompagnée par donc un autre grand acteur écossais. And our second wonderful Scottish actor this evening. Qui a été Hitchcockisé pour un film que vous connaissez tous, évidemment, qui s'appelle Billy Elliot, et c'est Gary Lewis. Gary Lewis.
Gary Lewis. It's lovely to be here tonight, well, today and the rest of the weekend. Je suis ravie d'être ici à ce festival ce soir et pendant tout le weekend. And a real honour to have a tribute. In fact, when Hassam said to me, "Oh, can we do a tribute?" my reaction was, "No, why?" Bon, et aussi un très grand honneur pour moi que le festival a décidé de me rendre cet hommage. Et quand Hussam m'a dit qu'ils allaient faire ça, j'ai dit non, non, pourquoi? I still feel like a baby at film, so I thought I'm not dying, and I don't know why, but anyway, I did say yes. Donc, toujours je sens comme je commence à travailler dans des films, mais j'ai bien dit oui, bien sûr, j'aimerais bien venir ici au festival. And I first came here 10 years ago with Red Road, which was my first film I'd ever done. And it's just lovely to be back 10 years later. La première fois que la première fois que je suis venue à ce festival il y a 10 ans avec un film qui s'appelle Red Road et c'était mon premier film et je peux dire que ça c'est mon festival préféré toujours. Bonsoir. I'm delighted to be here. Je suis ravie d'être ici. Delighted to be in a place with a festival with such an evident passion for cinema. D'être un festival qui surtout est un festival qui est passionné par les films. For me, it's lovely to walk the streets in Dinard and meet people and hear them talking about the films they wish to see. And be so eager to see new films. Bon, j'adore me promener ici à Dinard, rencontrer des gens, voir leur enthousiasme. J'adore ça. Je trouve ça magnifique d'être ici. Et moi aussi. So thank you. Thank Merci you beaucoup. Et vous allez avoir le privilège d'accueillir tout de suite la présidente de ce jury, Mademoiselle Marianne Denicourt. And in order for the jury to give award to you, the jury, who will be meeting, but please can you welcome the president of the Short Film Competition, Marianne Denicourt. Bonsoir. Bah déjà, je suis vraiment très heureuse, merci beaucoup, et très touchée d'avoir été envisagé pour être présidente de cette première édition du jury Shortcuts. Good evening, everybody, and I can't tell you how pleased and happy I am to have been chosen as the president of this first competition, Shortcuts. D'ailleurs, je vais commencer par appeler le jury, Hélène Simons. So I would like to call the jury, Helen Simons. Hélène Simons, qui est productrice. Producer. James Scott. James Kerrang, qui est acteur et réalisateur. James Kerrang. Et on peut voir sa première réalisation, Ilo Joe, à la première. Ilo Joe, Billy Bridou. Billy Bridou, directeur de l'équipe de Deputy Director of the French Institute in London. Alors le festival a toujours beaucoup soutenu les jeunes réalisateurs, mais là des courts-métrages c'est vraiment bien, parce que court-métrage ben, c'est l'avenir, c'est une promesse. Il va y avoir des fictions bien sûr, mais aussi des documentaires et de l'animation. Alors on a vraiment hâte de découvrir ça, on se réjouit. So this festival has always supported young talent. So the fact that we have a short film competition is just the icing on the cake, and lots of different films will be shown, fiction, non-fiction, documentary, animation. Ah, voilà. Merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Vous voulez dire quelque chose? So there you have it. Thank you very much and have a wonderful evening. Film competition, but obviously we have the feature film competition, and as Hussam Hindi has told you, it wasn't too hard selecting them this year,
So we're going to tell you the names of the films in competition this year. Alors, il y aura Away de David Blair. Away, David Blair, by David Blair. Chubby Bunny de Harry Mitchell. Chubby Bunny by Harry Mitchell. Moondogs de Philip John. Moondogs by Philip John. Revenge de Alice Lowe. Revenge by Alice Lowe. On est encore plus nombreux. Sing Street de John Carney. Sing Street de John Carney. And this beautiful, fantastic de Simon Aboud. The beautiful, fantastic by Simon Aboud. Voilà donc les six films qui vont concourir pour le Grand Prix du jury, le Hitchcock d'Or Ciné Plus, qui sera remis lors de la cérémonie de clôture, ce sera samedi soir. Parmi les autres prix, il y aura le Hitchcock du meilleur scénario Alliance. So, obviously, the main prize, which is the Hitchcock, the Golden Hitchcock, the jury grand prize. There'll also be the Hitchcock Best Screenplay by Alliance. Le Hitchcock du public première. The Premier Award Hitchcock. Le Hitchcock coup de cœur, la règle du jeu. The Heartbeat Award. Le Hitchcock d'honneur orange. The Honorary Hitchcock by Orange. Et vous l'avez compris, pour la compétition court-métrage, donc le Shortcut du public. And obviously the Audience Shortcut Award. Et le Hitchcock Shortcut du jury, donc présidé par Marianne Denicourt. And the Shortcut Hitchcock Jury Award. Alors, il faut un jury hein, pour remettre ces Hitchcock du long métrage. Président du jury, un homme cinéma en quelque sorte. Je vous demande d'accueillir tout de suite Monsieur Claude Lelouch. So, here is the jury. As Madame Le Maire explained to you, you have an extraordinary president who is cinema incarnate, Monsieur Claude Lelouch. Bien, alors écoutez, si je suis là, c'est parce que j'aime le cinéma, tous les cinémas et tous les festivals. If I'm here, it's because I love cinema and all festivals. C'est grâce à tous ces festivals de cinéma que le public découvre des films merveilleux, extraordinaires et qu'il y a toujours autant de gens dans les salles de cinéma. Donc voilà. Alors, je voudrais remercier ce festival de Dinard. So it is thanks to festivals that the public get a chance to see extraordinary, wonderful, magical films. So I really want to thank this festival, the British Film Festival of Dinard. Voilà, et avant d'appeler mon jury qui est extraordinaire, parce que je les connais. And before I call the jury on stage, and let me tell you, they are extraordinary people, because I know them all, I've met them. Il y en a même certains avec qui j'ai tourné. There are even a couple of them with whom I've worked. Voilà, alors cette année, pour ne pas faire comme les autres, je vais tout de suite vous donner le nom du vainqueur. So, just to make things simple this year and smooth, I'm just going to immediately tell you who the winner is. Ne voilà. Vous le répétez pas parce qu'il faut que ça dure. But you mustn't repeat it. Ça sera un film britannique. I can give you an inside bit of information. It will be a British film. Bon, alors maintenant nous allons appeler les membres de mon jury. Alors on m'a donné une liste pour pas que je me trompe. So I'm d'abord, going to call appeler... the jury now. D'abord, Colin Vance. Colin Vance. Colin Vance, producer. Florence Thomasson. La comédienne Florence Thomasson. Actress Florence Thomasson. Formidable comédienne. Wonderful actress. Anne Baillot. La comédienne Anne Baillot. Avec une actrice. Anne Baillot. Un
formidable comédien et un grand metteur en scène, Jamie Lesper. A wonderful actor and a great director, Jamie Lesper. Eric Lagesse. Eric Lagesse, producteur et distributeur. Eric Lagesse, producer and distributor. Je viens de tourner avec elle. Elle me fait rire, vous ne pouvez pas savoir. Julie Ferrier. Julie Ferrier, I just finished the film with her. You cannot imagine how much she's made me laugh. Un formidable comédien, Phil Davis. Phil Davis. A wonderful actor, Phil Davis. Un autre merveilleux comédien, James Darcy, il a déjà fait tourner la tête de tout le monde du jour. James Darcy. C'est ça. Another wonderful actor, James Darcy. Voilà, et la merveilleuse Victoria Bedos. Et regardez sa robe. Victoria Bedos, actrice et réalisatrice. The wonderful Victoria Bedos, actress and director. Magnifique jury, Claude, et pour où le Festival de Cannes? Obviously, the Ken Loach film which you produced won the prize at Cannes this year, and there'll also be presentations of other of her films. You have a mic, no? I'm not an actor, so I need a piece of paper. Colin, will you hold my... Je ne suis pas actrice, donc elle a besoin d'un petit papier. Now, are you ready? So, I am absolutely delighted to be back in Dinar again. It's 21 years since my first visit, and I just can't keep away. I've even come for my holidays here. Je suis tout à fait ravie de me retrouver à Dinar. Il y a 21 ans depuis la première fois, mais je ne peux pas m'empêcher de revenir. Je reviens même en vacances. Je me plais tant ici. The Dinar British Film Festival has all the best qualities a festival can have. It's small enough to be friendly and intimate, and big enough to pack a punch. And it has by far the best posters. Le festival britannique du film de Dinar a les meilleures qualités qu'un festival puisse avoir. Assez petit pour rester chaleureux et intime, mais assez grand pour avoir du punch. En plus, ces posters sont de loin les plus beaux. It's a brilliant opportunity to catch up on all the British films that us film workers never get a chance to see. And it's a great place to meet our French partners and chew the fat on important industry issues. C'est une excellente occasion de voir tous les films que nous, les professionnels du cinéma, n'avons jamais le temps de voir. Et c'est un lieu magnifique où rencontrer nos partenaires français et débattre des questions importantes de notre industrie. The festival also recognizes the work of producers. Many of the other festivals don't think we exist. I would like to thank Hassan Hindi particularly for giving the festival that focus. Ce festival reconnaît aussi le travail des producteurs. Il y a beaucoup de festivals qui ne pensent pas que nous existons. Je tiens à remercier Hassan en particulier qui a donné cette orientation au festival. I'm lucky enough to have two films here this year, of which I'm very proud. I, Daniel Blake, particularly, seems to be striking a common nerve in our two nations. It shocks me that in 2016, we still have governments
trying to outwit their least able citizens to deprive them of support. Cette année, j'ai la chance d'avoir deux films, deux de mes films présentés, et j'en suis fière. I, Daniel Blake, semble tout particulièrement toucher un nerf commun de nos deux nations. Cela me choque qu'en 2016, nous ayons encore des gouvernements qui essayent de tromper ceux de leurs citoyens qui ont le moins de capacité afin de les priver de soutien. I worry that things will only get worse as Britain becomes increasingly nationalistic with the onset of Brexit. We'll discuss that looming horror show here in Dinard. Je m'inquiète que les choses aillent de mal en pis en Grande-Bretagne, qui devient de plus en plus nationaliste depuis Brexit. Nous discuterons de l'imminence de ce cauchemar ici à Dinard. But hopefully, we'll also celebrate the terrific binding friendship our two countries have, and will always have, brought together by our love of film. Mais j'espère que nous fêterons aussi l'amitié solide et merveilleuse qui lie nos deux pays aujourd'hui et qui perdurera grâce à notre amour commun du cinéma. Thank you so much for inviting me back again, and I'm thrilled and honored to declare the festival open. Je vous remercie vivement de m'avoir une nouvelle fois invité et je suis ravie et honorée de déclarer le festival ouvert. Merci, Rebecca. Alors, donc, c'est ouvert, j'ai invité Madame le maire.